could leave me. My baby just can't take her eyes off me. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Lucas Bordelot, étudiant en deuxième année de musique classique. Et moi, Sarah Mpoy, étudiante de deuxième année en sciences humaines. Nous serons vos animateurs, accompagnés de David et Roxane. Et bienvenue à ce gala reconnaissance étudiante 2021 en direct d'un fauteuil très confortable. Sois bien, Lucas, les gens sont à la maison. On aurait pu se mettre seulement en haut chic et faire comme tout le monde en télétravail ou en télétude. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'aime ça m'habiller chic. Alors, je peux rien faire. En tout cas, la dernière année a été pas une année facile. Après plus d'un an passé en pandémie, on est tous essoufflés et vraiment fatigués de tout ça. Cependant, on tenait vraiment à souligner tout votre travail et vos efforts faits durant la dernière année. Vraiment, là, à tous les finalistes des bourses, un énorme bravo. Vos efforts, vos sacrifices, votre persévérance est digne de mention puis on veut vraiment vous féliciter. On tient aussi à saluer tous ceux et celles qui regardent le gala de ce soir en direct. Alors, parents, grands-parents, tantes, oncles, amis, collègues, fleuristes, électriciens, même plombiers, bienvenue à ce gala. Oui, donc nous, on voulait pas un gala avec trop de plafla, mais un gala qui fait du bien. C'est pourquoi l'humour sera au rendez-vous pendant toute la soirée. En espérant que vous êtes assis confortablement dans votre salon avec votre sac surprise, comprenant jujubes, chocolat, bonbons, du thé. Donc, merci d'ailleurs aux entreprises locales et à la Fondation du Cégep de Drummond pour nous gâter avec ces succulentes gâteries. C'est maintenant le moment de féliciter nos confrères et nos consoeurs et d'enfin ouvrir nos sacs surprises. Enfin, si vous n'avez pas encore triché, bien évidemment. On tient aussi à saluer et à remercier tous les donateurs qui ont permis la remise de plus de 32 500 $ en bourse ce soir. C'est vraiment quelque chose. Alors, bon gala! Allô, moi c'est Roxane, étudiante en technique d'intervention en délinquance. Et moi, David, étudiant en sciences de la nature. Nous allons vous accompagner tout au long de ce gala. Un quatuor d'animateurs, vous avez déjà vu ça? Moi non. Mais n'empêche que ce que vous dire, c'est qu'on va pas s'ennuyer pendant ce gala.
Cette année, on vous gâte avec trois témoignages de trois personnalités connues. Mehdi Poussaïdan, Marine Jonca et Arnaud Soli pour vous, les étudiants qui se sont démarqués cette année. En plus, vous allez voir des sketchs, des nominations et le dévoilement en direct de la personnalité étudiante 2021 et tout ça ce soir. Avant toute chose, un petit retour sur cette année, en vidéo. Malgré le contexte actuel, il s'en passe des choses à notre cégep. Bonsoir. Le 35e Gala Reconnaissance étudiant souligne l'engagement des jeunes et des adultes dans leurs études. Pour certains, cet événement souligne la fin d'une session bien chargée et pour d'autres, la fin d'un parcours collégial. Quelle que soit l'issue, sachez que le Cégep de Drummondville est fier de vous. Ce soir, vous êtes toutes des gagnantes et tous des gagnants. Vos efforts sont reconnus et récompensés par des entreprises et des organisations qui croient en vous. Alors, bonne chance à toutes et à tous, et bon gala! Bravo à tous les lauréats et les lauréates. Vraiment, vous avez toute mon admiration, et j'en profite pour souligner le travail remarquable des enseignants et des enseignantes qui vous ont accompagnés à travers tout votre parcours. Bonjour! C'est maintenant à mon tour de vous partager la fierté que toute l'équipe de la formation continue et moi ressentons envers tous les étudiantes et les étudiants qui sont mis en nomination ce soir dans le cadre du gala Reconnaissance étudiante. Pour plusieurs d'entre vous, ce sont des efforts colossaux que vous devez déployer pour reprendre et réussir des études tout en conciliant votre vie de famille, votre emploi et tout en réapprenant des techniques d'apprentissage qui, pour la plupart du temps, sont oubliées depuis longtemps. Félicitations sincères et chaleureuses à chacun et chacune d'entre vous. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à vous féliciter. S'il y a de la vie dans le cégep, c'est parce qu'il y a des étudiants qui s'impliquent. Et grâce à vous, le cégep de Drummondville est un milieu vivant. Félicitations! Donc, merci à M. Leblanc, Mme Marchesseau, M. Carrier et M. Vigent pour leur beau mot d'encouragement. La fondation du cégep de Drummondville offre chaque année environ 100 000 $ au cégep de Drummondville. Alors, merci à elle de nous soutenir et de nous porter dans nos projets et dans nos rêves. Maintenant, voici un témoignage de M. Roc Moisan, président du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Drummondville, qui souhaitait vous adresser quelques petits mots. Bonsoir! Bienvenue au Gala Reconnaissance. Ce soir, 38 bourses seront données pour un montant total de 32 500 $. Merci beaucoup à nos généreux donateurs et bonne soirée. Merci, M. Moisan, pour ces belles paroles encourageantes. Je
peux dire que je suis assez fière d'avoir un cégep et une fondation aussi impliquée envers les membres de sa communauté. Effectivement, Lucas. La fondation est l'un des rares organismes à remettre 100% des dons qu'elle reçoit. Alors, pour commencer bien ce gala, pourquoi pas débuter avec les bourses en formation générale? Je suis complètement d'accord. On va commencer avec la bourse d'excellence en anglais d'une valeur de 500 $ offerte par le groupe Terrien. I can speak English if you know, hein? Am I winning this bourse? On va dire. Félicitations à toi, Audrey Anctine, pour cette reconnaissance. C'est d'abord et avant tout un prix d'excellence, mais tu es aussi parmi les plus améliorés, donc c'est doublement mérité. Et tes succès sont dus en très bonne partie à ton éthique de travail et aussi à ta capacité d'apprentissage. C'était un plaisir de te côtoyer dans deux cours plutôt qu'un, et bonne continuation. La bourse! Excellence en éducation physique de 500 $. Qu'est-ce que tu fais, David? Eh bien, je présente le prochain prix en faisant du sport. Laisse-moi faire. La bourse d'excellence en éducation physique de 500 $ est offerte par le groupe Terrien. Le ou la récipiendaire est... Camille Blanchard. Camille a su, tout au long de son parcours, maintenir des résultats très élevés en éducation physique, mais également être un modèle pour ses collègues à l'intérieur des cours. Malgré la pandémie, elle a su demeurer active. Elle faisait du ski de fond, de la raquette, de la randonnée. Donc, pour toutes ces raisons, Camille est notre récipiendaire cette année à la bourse en éducation physique. Les deux prochaines bourses de 500 $ soulignent l'excellence et la persévérance en français. Une matière dans laquelle j'excelle, hein, Lucas? Oui, ça va. La bourse d'excellence en hébert d'une valeur de 500 $ est offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. La bourse est décernée à... Julia Boucher. Tout au long de son parcours, Julia s'est démarquée par sa grande rigueur intellectuelle, par ses capacités de compréhension et de concentration remarquables, ainsi que par sa ténacité qui lui a permis de passer à travers cette année difficile avec brio. Pour ce qui est de la bourse, Persévérance, Marie-Éva Devilliers, d'une valeur de 500 $, aussi offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec, le ou la récipiendaire est... Jessie Germain. Tous les enseignants qui ont accompagné Jessie Germain dans son parcours de littérature s'accordent pour dire qu'il a fait preuve d'une remarquable persévérance dans l'apprentissage de son français écrit. Cette assiduité est vraiment inspirante. Félicitations, Jessie. Qu'est-ce que tu fais là, Roxane? On est censé présenter le prochain prix, là. La bourse d'excellence en mathématiques. Ouais, mais c'est un peu pour ça que je me pratique que je suis vraiment pas bonne en maths. T'étudies pas en intervention en délinquance, toi? Ouais. Ben, tu sais, faut quand même que je me pratique, là, mais j'étudie pas là-dedans pour rien. Pour vrai, je suis vraiment pas en maths. Là, tant qu'à faire, je vais la présenter, la catégorie d'excellence en mathématiques. C'est une bourse de 500 $ offerte par Normand Bernier, un ancien employé du cégep de Drummondville. Le ou la récipiendaire est... Yoann Ménard-Tétrault. Cher Yoann, pendant tes deux années au cégep, tu as suivi 5 cours de mathématiques dans lesquels tu as obtenu des résultats exceptionnels. Ton intérêt marqué pour les mathématiques fait en sorte que tu as choisi de poursuivre tes études universitaires dans ce domaine. Tu mérites grandement la bourse d'excellence en mathématiques. Toutes mes félicitations, Yoann. La philosophie. Une matière complexe, attachante, confrontante, un peu étrange. Mais fort sympathique. Ah, être ou ne pas être, quelle belle question. Oui, Lucas. Ce qui m'amène à la prochaine bourse, soit la bourse Excellence en philosophie d'une valeur de 500 $, offerte par Kane Lamar, service juridique. Le ou la récipiendaire est... Viviane Larivière. Viviane a eu d'excellents résultats durant ses 3 cours de philosophie, une moyenne de plus de 91%. C'est impressionnant. Ça témoigne certainement d'une excellente éthique de travail, d'une assiduité hors pair. Félicitations, Viviane!
Mais c'est pas tout. Il y a une autre bourse d'une valeur de 500 $ offerte dans le cadre de la bourse Persévérance en philosophie, offerte par le syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Drummondville. Là où le récipiendaire est? Hugo Rouillard. Je suis très bien placé pour savoir qu'Hugo travaille avec un grand sérieux. Je lui ai enseigné cet hiver non pas seulement en philosophie et rationalité, mais aussi en stratégie d'études et d'apprentissage. Alors, je sais qu'Hugo est un excellent travaillant. Après une session sans aller à l'école, préféré travailler, est revenu en grande forme. Félicitations, Hugo, pour tes excellents résultats et continue comme ça pour le reste de tes études. Bon. On est rendu à la dernière bourse de formation générale. Mais là, je me sens vraiment... J'ai un tableau en arrière de moi, j'ai une tâche, une craie. Je me sens comme un professeur. Alors, je vais l'annoncer d'une façon professorale. La bourse Persévérance Tremplin DEC, offerte par Luc Simard, enseignant du Cégep de Drummondville et conjointement avec la Fondation du Cégep de Drummondville, est d'une valeur, mesdames et messieurs, de 500 $. Bianca Mathieu, concilier les études, la famille et le travail, c'est un défi de taille, encore plus en temps de pandémie. Et malgré les embûches qu'un retour aux études peut octroyer, on a une étudiante qui a su se démarquer en tremplin DEC. Donc, Bianca, pour ton implication dans le cours de stratégie d'études et d'apprentissage, ton dévouement et ta persévérance, le Cégep de Drummondville est fier de t'octroyer la bourse Persévérance en tremplin DEC. Donc, félicitations, c'est un honneur pleinement mérité. Bonne chance pour la suite de ton parcours. Je suis de retour. On va pas se mentir, la vie étudiante cette année était un peu plus différente qu'à l'habitude. Et on va vous l'illustrer tout au long du gala avec des petites capsules vidéo. Oh, 58! Pas le temps de m'habiller. Oh, puis c'est pas grave. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais donner mon cours... seulement si vos caméras sont ouvertes. Donc, je vous demanderai d'ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Ouais. Ah, bonjour, bonjour. Caroline, il manquerait juste une personne. 8 h, hein? Ah, bonjour. OK, on peut y aller, donc, pour la... Les bourses du volet vie étudiante sont particulières, spécialement cette année où les cours étaient hybrides, merci à la COVID. Passons maintenant aux deux bourses Persévérance du club Rotary. Ces deux bourses ont une valeur de 500 $ chacune. La première bourse est remise à... Mégane Mercier. Félicitations Mégane, je suis privilégiée d'avoir été témoin de ton évolution et de ta grande persévérance au courant des sessions passées au Cégep de Drummondville. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bravo encore! La deuxième bourse est remise à... Madame Wilmine Jean-Louis. C'est vraiment avec fierté que j'ai nommé ce nom, car cette étudiante est arrivée dans notre service pour faire un retour aux études. Désirait aller en soins infirmiers pour donner le meilleur d'elle-même. Elle a vraiment une approche client particulière et enjouée. Je lui souhaite le meilleur. Je suis certaine qu'elle va agir comme un petit rayon de soleil partout et pas passer, comme elle le fait ici. Afin de clôturer ce volet, quoi de mieux que d'annoncer le ou la récipiendaire de la bourse Implication sociale et politique d'une valeur de 500 $. Les candidats ont été soumis à un comité de sélection. On doit dire un grand merci aux donateurs, soit l'Association générale étudiante du Cégep de Drummondville. Le ou la récipiendaire de la bourse est... Mathieu Fortier, pour son implication au comité des études, pour sa présence en tant que membre du CA et pour son aide dans son comité de programme. Bravo Mathieu Fortier!
Donc, avant de passer aux bourses de personnalité des programmes, Mehdi Boussaïdan souhaite vous dire un petit quelque chose. Attends, là. Tu n'y arrives pas, c'est le Mehdi Boussaïdan? Oui, je te le dis. Hey, salut les étudiants émérites du cégep de Drummondville. Félicitations. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes surpassés cette année. Et bravo. Non seulement vous êtes surpassés, mais vous êtes surpassés dans une année qui est particulièrement difficile. Donc, félicitations. Vous avez relevé le défi d'avoir des bonnes notes en pandémie. Je pense qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Toute la terre a été arrêtée de tourner, mais vous avez quand même continué, vous avez regardé tout droit. Donc pour ça, je vous félicite. Lâchez pas. J'haïs cette expression-là, lâchez pas. Évidemment que vous n'allez pas lâcher. Félicitations. Un gros bravo. Bravo aussi aux professeurs. J'imagine que si ces étudiants-là se sont démarqués, c'est parce que vous avez fait un beau travail aussi. Donc au cégep de Drummondville, bravo à tout le monde. J'espère vous croiser un jour dans une salle de spectacle, mais que ça réouvre. Et je sais pas si Drummond, vous êtes zone orange. Si vous êtes zone orange, ça se peut que vous me croisiez dans un bar. Mais je viens pas de Montréal. Je viens pas de Montréal. Regardez, je suis de Québec. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne suite prochaine année. Je sais pas comment on dit ça. Et au plaisir de se croiser. Encore une fois, bravo. Vous méritez tout. Vous méritez tout. Le gala reconnaissance honorera la personnalité de chaque programme d'études préuniversitaires et techniques. Les finalistes, désignés par les enseignants et enseignantes de tous les programmes, verront leur photo défiler sur l'écran. Le ou la récipiendaire se méritera une bourse de 1 000 offerte par des partenaires qui ont choisi de soutenir l'éducation et la réussite des élèves méritants dans leurs programmes respectifs. Commençons par la bourse de la personnalité en or, lettres, communication, option langue. Cette bourse est offerte par le syndicat du personnel professionnel, le syndicat du personnel de soutien et le syndicat des enseignants et enseignantes du cégep de Drummondville. Les finalistes sont Vanessa Vanier, Marie-Pierre Laprade et Sarah Ménard. La gagnante de la personnalité en langue est Vanessa Vanier. Cette étudiante extraordinaire se démarque par sa curiosité intellectuelle, sa créativité, le fait qu'elle veut toujours avancer, poser des questions. Elle a toujours le goût de trouver des manières plus efficaces pédagogiquement. Elle a travaillé au Centre d'aide en langue pour nous plus d'une session. Elle était très appréciée par ses étudiants et ses étudiantes. C'est une personne qui va faire vraiment une différence dans le monde qui nous entoure. Je lui dis bravo, puis de la part de tout le département de langue, on lui dit bravo Vanessa, super, continue, félicitations. Rappelons que les bourses de personnalité sont toutes d'une valeur de 1 000 La prochaine bourse est la bourse personnalité en art, lettres et communication, option multidisciplinaire, offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec. Donc, les finalistes sont Jade Pinard, Léa Lemieux et Nicolas Estadieu. L'élève qui remporte la bourse personnalité étudiante 2021 dans le programme Arlette et communication est un étudiant, un finissant en fait, avec un cœur d'or qui a justement conquis le cœur de tous les profs du programme. C'est un élève persévérant, qui est motivé, qui est enthousiaste, qui a un sens critique très aiguisé, qui a un esprit analytique rigoureux et qui, en plus, est très créatif. Alors, toutes ces interventions sont pertinentes. Pour toutes ces raisons, la bourse revient à Nicolas Estadieu. Bravo, Nicolas! Ah, vous êtes là! La prochaine bourse est celle de la personnalité en art visuel. C'est pourquoi je suis dans le local d'art visuel. Cette bourse est offerte par la Caisse des Jardins de Drummondville. Les finalistes sont Camille Lalonde, Ariane Croteau et Justine Bérard. Pour son engagement dans tous ses projets artistiques, ainsi que pour le professionnalisme qu'elle incarne tant au quotidien que dans le développement de sa profession d'artiste, j'ai le plaisir de remettre la bourse Personnalité en art visuel à Ariane Croteau. Je vous laisse sur une œuvre d'Ariane intitulée « À la Van Gogh ». Pour la prochaine bourse, quoi de mieux que de vous l'annoncer dans un studio de danse? La bourse Personnalité danse est offerte conjointement par Astral Media et l'école Formation danse. Les finalistes sont Lily Malo, Juliette Baudouin et Émilie Valois.
Il me fait plaisir d'annoncer que la grande gagnante est Juliette Beaudoin. Alors, magnifique, félicitations Juliette pour ton implication, la grande, grande qualité de ton travail en classe, ton implication aussi auprès de tes pairs, toujours prête à aider, toujours prête à t'impliquer là, dans mille et un projets avec nous. Alors, c'est vraiment une récompense fortement méritée. Félicitations à toi, Juliette. En restant dans la thématique des arts de la scène, la bourse Personnalité étudiante en musique est offerte par M. André Lamontagne, député de Johnson, et la Fondation du Cégep de Drummondville. Les finalistes sont Gisèle Blanchard-Girardin, Jonathan Saint-Cyr et Alissa Hamelin. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de présenter Jonathan Saint-Cyr comme récipiendaire de la bourse Personnalité Programme. Jonathan a toujours été très enthousiaste face aux défis qui lui étaient proposés dans la pratique du hautbois comme l'instrument principal, musique de chambre et l'orchestre durant ses 2 années au Cégep. Il a su démontrer toute l'envergure de ses possibilités afin de devenir un grand musicien. Je suis extrêmement fière de toi, Jonathan. Toutes mes félicitations. Bon, étant moi-même étudiante en sciences humaines, c'est un honneur pour moi de présenter la prochaine bourse, soit la personnalité en sciences humaines offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec. Les finalistes sont Rosalie Bérubé, Marion Deguerre, Emmanuel Urial Cordonero Urbina, Laurence Lebrun, Myrtille Séré-Couty. Le département des sciences humaines a choisi de récompenser Emmanuel, donc félicitations pour la bourse. Emmanuel, on t'a choisi pour ta curiosité, ta volonté de toujours aller plus loin. Dans un contexte de retour aux études en pleine pandémie, on t'a trouvé très investi. Tu démontres un beau savoir-être, un beau professionnalisme, donc c'est une bourse qui est pleinement méritée. Donc félicitations Emmanuel. Moi et Oscar, nous allons vous présenter la bourse en personnalité étudiante sciences de la nature, offerte par Valmetal. Fais ça bien, Oscar. Les finalistes sont Thierry Bazin, William Benoît, Samuel Fortier, Alicia Côté et Elisabeth Gauthier. Donc, le récipiendaire pour la bourse de sciences de la nature est Samuel Fortier. Donc, Samuel, on le sait, est un super bon dossier académique, mais tu es aussi une personne intègre, honnête, charismatique, participatif. Et tu t'organises toujours pour que tous les gens autour de toi soient bien et heureux. Donc, je sais que tu avais une mission en entrant en sciences de la nature de détruire le mythe que tous les étudiants sont compétitifs en sciences nat. Bien, je peux te dire, mission accomplie, Samuel. C'est ce qui conclut le volet des bourses des programmes préuniversitaires. Avant de passer au volet des programmes techniques, nous avons une bourse toute spéciale à vous annoncer. Il s'agit de la Bourse régionale sport-études de la Fondation Desjardins qui offre 500 $ en bourse cette année à un étudiant qui s'est démarqué parmi les membres de l'Alliance sport-études cégep de Drummondville. Juste pour être sûr, c'est quoi l'Alliance sport-études? Ça, là, c'est un programme qui contribue à aider les étudiants dans la persévérance scolaire et tout. Ça, c'est des étudiants athlètes de haut niveau qui vont continuer leur étude au cégep de Drummondville, des études postsecondaires. Puis cette année, il y en a eu 32 au cégep de Drummondville. Vraiment cool! Laura F. Paquette, étudiante en sciences humaines dont la discipline sportive est le patinage artistique. La situation actuelle lui a demandé une grande adaptation sur les plans sportifs et scolaires. Laura met tout en place grâce à son organisation et sa persévérance pour faire de ses études un véritable succès. Félicitations, Laura! Alors, pour les 15 prochaines minutes, je vais vous placer en sous-groupe dans Teams pour que vous puissiez échanger et répondre aux 3 prochaines questions. Bon, ben, écoute, moi, pour la première question, là, je ne sais pas trop, là, et je la trouve difficile. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui s'y connaît plus, qui pourrait être capable de répondre à cette question-là? Et toi, Samuel, as-tu une idée? Ben, Eloï, j'ai tellement l'impression de parler à un mur, là. Hey, c'est tellement important d'ouvrir nos caméras pour être capable de travailler ensemble. Au cégep Drummond, à partir de maintenant, là, on travaille ensemble. On ouvre nos caméras.
Avec 14 programmes techniques, il y a vraiment du choix au cégep de Drummondville. Oui, Lucas, c'est pourquoi chaque programme a mis en nomination des finalistes pour le titre de personnalité de leur programme, se méritant une bourse de 1 000 $ chacun. Ok, on commence à annoncer les bourses, là j'ai vraiment hâte de savoir c'est qui va gagner. La bourse personnalité en bureautique est offerte par le comité local des cadres du cégep de Drummondville. Les finalistes sont Camille Blanchette, Frédéric Brasseur, Élise Hull. Camille Blanchette. Autonome et débrouillarde, Camille effectue des recherches afin de trouver des solutions et pousse plus loin sa réflexion. L'excellence de son travail se démarque, ce qui l'amène à apporter son aide à ses collègues. Impliquée, elle est membre de l'équipe de volleyball et tutrice à la zone numérique. La prochaine bourse est pour la personnalité en technique de comptabilité et gestion, une gracieuseté d'anciens étudiants, Ariane Baudry, Alexandre Caron et Laurence Croteau, définissant technique administrative de 2020 grâce à leur levée de fonds. Les finalistes sont William Dumas, Alex Richard et Alexandre Sirois. Alex Richard. Félicitations à tous les nominés dans le programme technique de comptabilité et de gestion. Félicitations, Alex. Tous les enseignants de technique administrative sont bien heureux de t'octroyer cette bourse. Tu as su te démarquer au niveau de ta personnalité, de ton engagement dans tes études et dans l'excellence de ton travail. Plus encore, au niveau de ton implication dans le tutorat, dans les compétitions académiques, dans le club entrepreneur étudiant, c'est vraiment là que tu as su te démarquer le plus et c'est ce qui a pesé fort dans la balance. Alors, bravo! Toujours dans la famille des techniques administratives, la personnalité en logistique du transport est une gracieuseté de la fondation du CIEP de Drummondville. Les finalistes sont Yannick Bocage, Sofiane Lapierre et Liane Thibaudeau. Liane Thibaudeau. Félicitations à tous les nominés. Félicitations, Liane. Tous les enseignants de technique administrative sont bien heureux de t'octroyer cette bourse, tant pour ta personnalité que pour ton engagement dans tes études. Mais c'est surtout au niveau de ton implication, comme tutrice notamment, et dans l'excellence de ton travail, où tu t'es le plus démarqué. Alors, bravo! On poursuit avec la bourse personnalité du programme Gestion de commerce, offerte par la Fondation du Cégep de Drummondville. Les finalistes sont Olivier Audet, Lily-Pierre Ouellet, Samuel Carpentier et Ismaël Picard. Olivier Audet. Félicitations aux nominés. Félicitations, Olivier. Les enseignants de technique administrative sont bien heureux de t'octroyer cette bourse. Tu as su te démarquer au niveau de ton engagement dans tes études et dans l'excellence de ton travail. Mais c'est aussi ton implication au niveau du tutorat, dans les compétitions académiques et dans le club d'échecs que tu mets en place actuellement que tout ça a rehaussé ta personnalité. Alors, bravo! La dernière bourse en technique administrative est la bourse personnalité en technique de services financiers et d'assurance offerte par Industrielle Alliance. Les finalistes sont Gabriel Deblois, Gabriel Pelletier et Danica Hébert. Gabriel Pelletier. Félicitations à tous les nominés dans le programme technique de services financiers et d'assurance. Félicitations, Gabriel. Tous les enseignants de technique administrative sont bien heureux de t'octroyer cette bourse. Tu as su te démarquer au niveau de ta personnalité et de ton implication, notamment au niveau du tutorat. Mais c'est unanime, tu es la récipiendaire de cette bourse à cause de l'engagement que tu portes dans tes études et aussi à l'excellence de ton travail dans l'ensemble de tes cours. Alors, bravo! Bonjour Caroline! Bonjour!
Est-ce que je pourrais aller changer mon masque, s'il vous plaît? Healer? À la suite de cette capsule qui représente bien notre réalité en cette pandémie, j'aimerais vous présenter la bourse de la personnalité en technique de génie mécanique offerte par le groupe Souci. Les finalistes sont Jonathan Bouliam, Jérôme Huissier et Alan Leclerc. Jonathan Bouliam. Jonathan a commencé son parcours avec nous après une courte carrière en santé animale. Il aime aider les autres et travaille fort dans ses études. Il terminera avec brio sa technique en génie mécanique cette année et nous le félicitons. Bravo, Jonathan! Pour la bourse Personnalité en informatique offerte par N-Media, les finalistes sont Kevin Messier, Anthony Grondin et Jacob Plante-Montmini. Jacob Montmini. Félicitations, Jacob. Grâce à ton implication, les questions que tu poses en classe, ton esprit positif en classe, tu mérites amplement cette bourse-là. Félicitations. Me revoilà. Je suis ici dans la Ribambelle pour annoncer la personnalité en technique d'éducation à l'enfance offerte par le Club Rotary. Les finalistes sont Marie-Pierre Terrien, Stéphanie Robidoux et Sarah Bouffard. Marie-Pierre Terrien. Marie-Pierre a été en mesure de se démarquer dans les dernières années, mais particulièrement cette année, au niveau de sa motivation, sa persévérance et surtout sa conciliation travail, famille et études, qui est un aspect vraiment non négligeable. Alors, elle a su démontrer une grande rigueur dans ses travaux. C'est une belle personne à côtoyer. Alors, bravo Marie-Pierre et félicitations. Pour la bourse Personnalité en technologie sonore offerte par la Fondation du Cégep de Drummondville, les finalistes sont Sophie Buron, Joey Gagné et Simon Bélanger. Simon Bélanger. Pour son engagement, sa participation dans ses cours ainsi que sa persévérance dans son cheminement et sa ponctualité. Félicitations! C'est le moment d'une petite pause. On voulait vous faire rire, alors qui de mieux qu'Arnaud Soli lui-même? En plus, il nous fait une petite prestation musicale intéressante. Rien de mieux pour présenter la prochaine bourse. Salut à toute la gang du cégep de Drummondville. Ici Arnaud Soli, j'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est le gala de la reconnaissance étudiante 2021. Hein, on salue les gens qui sont impliqués. Bravo pour vrai d'être passé au travers cette année tellement particulière. Honnêtement, je vous lève mon chapeau. Et puis, j'avais envie de vous offrir un hymne d'espoir. Une chanson teintée de courage et de lumière. Donc, pour souligner votre persévérance, je vous offre la chanson thème de Salut Bonjour, jouée à la flûte nasale, pour toi, Cégep de Drummondville. Là. De toute façon, c'est à moi de vous présenter la prochaine bourse, qui est la bourse de technique professionnelle de musique et chanson, qui nous est offerte par la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. De toute façon, je suis clairement pas fait pour ça. Les finalistes sont Dorian Bingeli, Samuel Fecto et Kelowna Chauvin. Samuel Fecto. Samuel, tu es sans contredit un étudiant au talent d'exception qui ne ménage pas les efforts afin d'atteindre tes objectifs. Ta démarche sérieuse te permet de rendre les projets à terme avec un souci de perfection en ne laissant aucun détail t'échapper. Lors de ton parcours dans le programme technique professionnelle de musique et chanson, plusieurs ont pu témoigner de tes grandes qualités d'être humain, de musicien et de compositeur. Toujours prêt à aider ton prochain, tu t'es démarqué autant par ton altruisme que ton professionnalisme. Félicitations et bonne continuité pour le futur. C'est maintenant le moment de dévoiler les récipiendaires du programme de technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment, qui vont être séparés selon les deux profils suivants. Donc, pour le profil estimation du bâtiment,
offerte par Drumco, les nominés sont Édith Cartier, Alexandra Duquette et Caroline Parent. Alexandra. Elle mérite cette reconnaissance puisque tout au long de ses études, elle s'est démarquée par sa constance dans ses excellents résultats scolaires et son travail soutenu. Travaillante, perfectionniste, elle fait preuve d'une grande maturité. Il ne faudrait pas passer sous silence son esprit d'équipe qui fait d'elle une coéquipière de rêve. Nous te souhaitons une future carrière à la hauteur de tes aspirations. Bravo, ma chère Alexandra. Et pour la bourse dans le volet évaluation, offerte conjointement par CVMEC BTF Incorporé et la Fondation du Cégep de Drummondville, les nommés sont Annick Lepage, Maude Marcoux, Raphaël Laplante-Hull. Annick. Étudiante engagée dans ses études, elle mérite cette reconnaissance puisque tout au long de son parcours, elle a concilié études et famille. Elle a démontré son intérêt pour la profession dans la réalisation de ses travaux. Très exigeante et perfectionniste, elle veut tout réussir. Nous te souhaitons bon succès dans ta future carrière. Un avenir prometteur est à ta portée. Félicitations, ma chère Annick. La bourse de la personnalité en technique d'intervention en délinquance, qui est ma technique en passant, est une gracieuseté de la Fondation du Cégep de Drummondville ainsi que des hors-cadres du Cégep de Drummondville. Les nommés sont Stéphanie Nadeau, Christopher Lemoine et Noémie Dumont. Stéphanie Nadeau. Tout d'abord, félicitations à nos trois nominés. L'élève qui se mérite ce prix est une personne qui s'est engagée dans son programme dès le début par son implication dans les portes ouvertes, aux journées carrières et dans le comité de programme. De plus, elle fait preuve d'un excellent savoir-être, d'un sens de l'éthique et d'une rigueur dans ses travaux. Sa persévérance a été démontrée tout au long de son parcours scolaire par un souci constant de s'améliorer et d'exceller dans sa profession. Finalement, cette personne a su se démarquer par sa personnalité en général dans son programme. Nous tenons à féliciter Stéphanie Nadeau. Donc, la prochaine bourse retirera le volet des personnalités des programmes techniques du Cégep Drummond, soit la bourse Personnalité en soins infirmiers, offerte conjointement par MediPro et la Fondation du Cégep Drummondville. C'est-tu bon, ça? Les nommés sont Azwaou Djoudé, Elisabeth Champagne et Karel Goveille. Elisabeth Champagne. Elisabeth, on était fiers comme enseignante de t'avoir dans notre programme. Tu étais toujours déterminée, appliquée, impliquée dans ta réussite, la réussite de tes collègues. C'est ce que te démarque en fait, c'est la volonté puis ton sourire. Et ceux-ci sont les gardiennes d'une réussite professionnelle incomparable. On te souhaite bonne chance et on te félicite. En passant, un grand merci à tous les musiciens de production Arsène d'avoir livré une super belle performance en début de gala. Alors un grand merci à Jean-Philippe Gagnon, Olivier Michaud, Émile Terrien, Lily-Pierre Ruel et Adam Brousseau, tous étudiants au Cégep de Drummondville. Passons maintenant aux bourses personnalité étudiante en formation continue, accompagnées de bourses de 1 000 $. Sachez qu'un comité de sélection a été mis en place pour évaluer les candidatures. Sans plus attendre, pour la personnalité étudiante à la formation continue à temps partiel, la bourse offerte par M. Martin Champoux, député de Drummond, et la Fondation du Cégep de Drummondville, les nommés sont Nathalie Birtz, Josiane Lesage, Nathalie Lucien et Catherine Dufour-Abruzès. Nathalie Birtz. Merci, Lucas. Donc, premièrement, je veux féliciter tous les étudiants et les étudiantes qui sont nommés ce soir. Et je suis ici pour vous présenter la bourse de la formation continue à temps partiel. Donc, pour son engagement dans ses études, sa réussite académique, son assiduité, sa personnalité, c'est toujours agréable de te côtoyer. C'est une étudiante à qui j'ai l'honneur d'enseigner dans le cadre de l'ASC en support à la gestion des ressources humaines. Et j'ai nommé Nathalie Birtz. Félicitations, Nathalie! La prochaine bourse est pour la personnalité étudiante à la formation continue à temps complet offerte par la Fondation du Cégep de Drummondville. Caroline Gadebois. Bonjour à vous tous, chers étudiants. Vous auriez tous mérité d'être en nomination pour la bourse Personnalité de formation continue que j'ai la joie, la chance de vous présenter aujourd'hui. La personne choisie pour cette bourse, c'est une étudiante toujours désireuse de relever des défis, impliquée dans son milieu, positive et déterminée. Elle s'est démarquée par son dynamisme lors des cours à distance ou en présentiel, par sa participation active, son leadership et sa persévérance sans faille.
Elle parle de sa profession avec respect, avec enthousiasme, démontrant ainsi un souci constant du bien-être des autres. Dans la vie de tous les jours, elle occupe un travail à temps complet, elle est maman d'un enfant encore très jeune, et malgré la lourdeur de la tâche, elle a toujours conservé une moyenne académique très impressionnante. Alors, pour toutes ces raisons, le comité a choisi Caroline Godbois comme récipiendaire de la bourse tant convoitée. Bravo à toi, Caroline! Donc, avant de passer au dernier volet, soit l'annonce de la personnalité étudiante de l'année, on vous laisse sur une petite vidéo personnalisée de la part de Marilyn Jonca, humoriste et animatrice reconnue. La gang du cégep de Drummondville, allô! Je suis donc bien contente de vous faire un petit mot! J'espère qu'il y en a qui m'aiment là-dedans. Sinon, ça serait bien triste parce que moi, je m'aime juste parce que les gens m'aiment. Sinon, c'est vide en dedans. Complètement morte. D'ailleurs, faites pas ça, les jeunes. Pas bon, ça. Faut s'aimer soi-même. Avant. J'essaie de passer des messages à travers tout ça. Je voulais vous dire bravo pour votre persévérance cette année pour le beau travail. Ça a pas dû être simple, hein, cette année-là. Moi, je me rappelle, au cégep, tout ce que je voulais, c'était de voir mes amis. Puis là, c'est pas ça qui se passe. En plus, là, c'est par Zoom, puis tout ça, puis des... ça doit être compliqué, tannant, plate. Je vous dis bravo. Bravo d'avoir été là, d'avoir focusé jusqu'au bout. Il en reste plus beaucoup. On va finir par enlever les masques, parce que, gars, moi, ça va venir à bout de mon menton. Hein? Ça serait le fun que ça arrive. Je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous dis bravo. Bravo à tous ceux qui ont bûché, qui sont allés au bout de ça, parce que ça a été facile de lâcher, d'abandonner. Parce que c'est pas une année simple et facile. Gardez le moral. And then keep up the good world! Je vous embrasse. Au plaisir de se croiser. Cette année, les trois finalistes pour le Grand Prix Personnalité étudiante 2021 sont Lucas Bordelot, Thierry Bazin et Alex Richard. C'est dans le cadre d'une rencontre cœur à cœur empreinte de sincérité que le comité organisateur a fait la connaissance de Lucas Bordelot. Cet étudiant en musique, profil virtuose, violoncelle, qui aspire à laisser sa trace et à faire le bien. Lucas est très impliqué au Cégep, notamment dans les projets socioculturels. Il est également votre co-animateur de l'événement de ce soir. Il est aussi très impliqué auprès des enfants démunis avec qui il partage sa passion lors de camps d'été. On souhaite la meilleure des chances à cette personnalité rayonnante pour qui le Cégep de Drummondville représente des rencontres marquantes, et l'importance du travail et de l'assiduité. Thierry Bazin est un modèle d'engagement et c'est presque un euphémisme. Fier représentant des voltigeurs et président du Club entrepreneur étudiant, se finissant en sciences de la nature, a aussi été aidant au centre d'aide en mathématiques et tuteur chez SOS Prof. Il est entraîneur de basket au secondaire depuis 4 ans et s'implique au maximum dans sa réussite et son programme. Celui qui aspire à devenir le prochain Jean Coutu en ouvrant sa propre chaîne de pharmacie aspire également à devenir un père de famille aimant et un mari. Bonne chance à cet étudiant rassembleur, passionné et dynamique pour qui le Cégep de Drummondville est synonyme de rencontre et de sens des responsabilités. Le parcours collégial remarquable d'Alex Richard tire bientôt à sa fin. Finissant du programme de technique de comptabilité de gestion, c'est un étudiant humble, généreux, passionné et assidu que le comité de sélection a rencontré. C'est un travaillant tant en classe que sur le terrain de volleyball. Impliqué dans sa réussite, dans son programme et au sein du club entrepreneur étudiant du collège, il retiendra de son passage au cégep de Drummondville les différentes rencontres qui l'ont modelé et encouragé à devenir qui il est. Bonne chance, Alex. Tu as vraiment de quoi être fier. Et la personnalité étudiante 2021 est... roulement de tambour, Thierry Bazin. Félicitations à Alex et Lucas qui se remportent une bourse de 1 000 $ gracieuseté du groupe Terrien. Bravo, vous êtes nos deux ambassadeurs 2021. Nous souhaitons remercier le maître d'œuvre de ce gala reconnaissance étudiante, soit la Fondation du Cégep de Drummondville, ainsi que les partenaires et les donateurs qui ont permis ensemble de redonner un total de 32 500 $. Ce soir, c'est 38 bourses qui ont été remises. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et que vous avez eu autant de fun que nous!
Donc, merci de votre présence virtuelle. Félicitations aux nommés et aux récipiendaires des bourses. En vous souhaitant une excellente fin de soirée.